Pourquoi tu as choisi de t'exprimer par la chaussure? Est-ce que c'était parce que déjà chez Hermès, tu avais une expérience de la chaussure? Parce que tu avais commencé par là? Parce que c'est comme ça que je suis rentré dans la mode, à vrai dire. Parce que j'avais pas prévu, moi, de faire de la mode. Tu avais prévu de faire quoi là-bas? J'avais rien prévu. Je voulais juste, moi, dessiner, peindre ou... Voilà, danser, c'est tout ce qui m'intéressait. Donc, je sais que ça me la mode, pas tellement, c'était un peu même... Un peu mineur, quoi. Un peu mineur, voilà, oui. C'est ça. Et en fait, moi, je suis rentré dans la mode par l'illustration, par le dessin. C'est une approche assez cérébrale, Oui. Mais architecturale, quelqu'un qui aime forcément l'architecture, mais je crois que je suis assez, oui, mais je crois que je suis assez formaliste, en fait. Enfin, c'est un vrai plaisir que j'ai de regarder les formes et de les c'est presque contemplatif, d'une certaine manière. Enfin, c'est un vrai plaisir, un plaisir à regarder les choses, un plaisir visuel. Et j'essaye de susciter ça, effectivement, dans ce que je fais. Aussi, au-delà du fait de les porter et au-delà du fait que ça devient un objet de mode. Oui, mais deuxième, hein. On a presque d'abord envie de la regarder. Mais je dirais presque fatalement, parce que c'est dans le processus aussi de la collection, c'est aussi d'abord des dessins, puis des essais en volume, voilà, des maquettes, des formes, etc. Donc il y a tout un processus qui se fait, je dirais, en dehors du corps, en dehors du fait que ce soit de la mode, en dehors du fait que ce soit des accessoires de mode. Et c'est pour ça que je fais ce métier-là. Ah, c'est oui. Juste oui. Pour que le monde autour mais de moi ressemble à celui dont j'ai rêvé. Que nous soit un peu plus joli. C'est ça. Absolument. Quand tu pars sur une nouvelle collection, il y a une angoisse à chaque fois où ça vient assez naturellement, où choses qui t'inspirent non, plus que en d'autres fait, parce... Alors ça, oui, il y a des choses qui m'inspirent plus que d'autres, mais il n'y a pas vraiment de démarrage, en fait. Puisque le cycle est ainsi fait. Voilà, c'est un continuum. Et en fait, c'est une espèce de sécrétion permanente. Et voilà, et les choses viennent se poser à un certain moment dans la collection parce qu'il faut bien l'arrêter, que c'est la saison, c'est l'été, puis c'est l'hiver, etc. Et que voilà, on se dit, c'est presque un arrêt sur image, en fait, la collection, dans un processus de création qui est presque permanent. T'es très fidèle dans ton groupe, dans ce qui t'entoure, dans les gens qui t'entourent, dans ton équipe. Moi, c'est la même depuis le premier jour, je n'ai jamais vu. Donc, c'est Pierre et c'est Nana et ses femmes. Elles sont importantes, sûrement, très je pense. Elles sont très importantes, j'imagine. Oui, parce que c'est un gage de confiance. Et je pense que ça, c'est un cadeau incroyable. C'est-à-dire que la parole est libre et sans équivoque. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Enrichissant. Voilà. L'homme, en général, il est vraiment addict quand il connaît ta chaussure, parce qu'il ne trouve pas l'équivalent. Mais l'homme, c'est plus égoïste, c'est plus... Si la femme, c'est vraiment un travail de projection, et c'est ça que j'aime d'ailleurs, c'est cette... Il y a un côté fantasmatique, enfin, on essaye de rejoindre un idéal. Mmh. Pour l'homme, c'est vrai que ça marche, parce que je pense que l'élégance masculine, elle est beaucoup liée à la mémoire. Il y a des types d'hommes qu'on a trouvé absolument élégants à un moment donné, et qui sont, d'une certaine manière, bizarrement assez intemporels, justement. C'est vrai que les chaussures, comme c'est d'abord un dessin en deux dimensions et que j'essaye moi dans la réalisation et dans la concrétisation des collections de me rapprocher au plus de cette idée-là comme ça que j'avais tracée au départ, c'est vrai qu'à la fin le résultat est souvent effectivement assez très graphiquement très graphique, clair. Voilà, très c'est graphique. Ça. Ouais. Garçon, donc je vois les choses du côté masculin et tout ce que je fais c'est de la projection sur une femme, même si cette femme elle est jamais fantasmée d'ailleurs, elle est jamais précise, je m'en fiche qu'après ce soit une gamine de 18 ans, une femme de 70 ans, ça m'est égal, je me raconte pas d'histoire, mais c'est une projection beaucoup de distance. Et du coup aussi ça de travailler avec des filles, avec des femmes, ça remet la chose dans une certaine réalité et ça permet de vérifier 2-3 choses essentielles. Essentiel voilà. Tout de même. Hein. Voilà.
Ouvrir des boutiques, pour moi, c'est vraiment un acte créatif. Hein. C'est pas. Ah, ça, je sais pas, ça me semble absolument c'est, évident. C'est une réalisation. Ce sont des endroits très particuliers, très typés. Ouais, ouais. Très typés. Ouais, c'est vrai. Et New York, alors que tu viens d'ouvrir. Bah, c'est. Pareil. C'est une continuation un peu différente parce que autant à Paris, on est dans un cadre historique, culturel, un monument historique. Enfin, moi, les deux endroits où je me suis installé, on ne peut toucher à rien. C'est l'expression même du parisianisme. C'est le 18e siècle français dans toute sa splendeur. À New York, c'est l'inverse. On est dans une ville sauvage, une ville moderne, une ville éclectique. Et maintenant, tu as aussi une boutique online sur The Corner, et c'est vrai que j'imagine que tu démarres comme nous-mêmes, et que ça va être, c'est une nouvelle aventure, une nouvelle porte ouverte. Et y a-t-il moyen, aurais-tu envie, comment pourrait-on, parce que il doit y avoir un moyen de personnaliser ces boutiques virtuelles. Bien sûr. Pourrais-tu voilà. Ben, c'est très marrant parce que moi mes boutiques, les vraies, oui, les physiques, d'une certaine manière, je les ai pensées comme des espaces très graphiques et très abstraits entre guillemets. Justement. Voilà. C'est pas très décoratif, c'est pas très narratif, c'est voilà. Et donc, je pense que cet univers-là visuel, il est très facilement transposable. Maintenant, je vois le travail qu'on fait sur le site, par exemple, notre site officiel. Et c'est presque comme c'est trouvé comme un monde symétrique du monde réel, le monde virtuel. Alors on dit virtuel, je ne sais pas si c'est virtuel, en tout cas c'est une autre réalité. C'est une vraiment, autre réalité. Avec des règles que moi j'adore parce qu'en plus ce sont des règles en 2D. Sur thecorner.com, ils sont très friands justement de tout apport personnalisé, différent, etc. Oui, c'est une image. Parce que c'est leur histoire aussi, d'être différent. Exactement. D'être une boutique virtuelle différente, avec un plus. Parce que quelque part, elle personnalise à chaque fois terriblement les univers des uns et des autres. Donc, c'est pas inintéressant que quelqu'un comme toi réfléchisse à comment. Paradoxalement, ça peut-être paraître très prétentieux, mais ça me semble pas très compliqué. D'abord, parce que je crois aussi que j'ai des codes esthétiques qui sont assez clairs, enfin ils sont assez et ils sont faciles à retrouver, à reproduire dans un univers en deux dimensions et à travers un écran. Donc.